tu vois. Ah. Ah, ça marche plus. Ah, encore notre île principale. Ah bah là, ça y est, c'est notre fief attitré, carrément. Ah putain, ouais. Bah tant que c'est un de vous deux qui crée, oui. Pourquoi? Parce que c'est votre île natale, tu vois. Comment ça, c'est notre île natale? Chaque joueur est attribué un avant-poste, et celui qui a le bateau commence à l'avant-poste où il est. Ça. Ah. Et bizarrement, vous deux, bah, vous êtes ici. Moi, à chaque fois que je commence une partie, je suis à un autre truc, mais c'est tout moisi. Franchement, je préfère être ici. Hein. Hello! Who are you? Est-ce que tu me vois ou pas? Ouais, je te vois, mais je t'entends pas. T'es. Ouais, pourquoi, putain? Essaye-toi pour voir. Bah, moi, je désactive les sous. Ah, mais nous, on l'a pas ouais, fait. Ouais, boulet. Non, tu vois, ça marche pas. Bon. Adamada. Oh là là, ils vont mettre un sabre doré dans. Il était déjà pourtant. Alors le sabre doré dans Fallen Order. Si vous connaissez pas des BZ déjà, vous avez 4 ans. Putain, c'est vrai quoi. Ah, mais il y a un éclair qui a dû tomber en fait. C'est vrai que j'ai vu une flamme là dans le bateau. Ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est un éclair qui tombe et qui met le feu au bateau, mais vu qu'il pleut, ça l'éteint tout de suite. Il y a de l'eau. Ouais, ça s'en va pas aussi. C'est marrant que tu peux te foutre le seau d'eau dans la gueule, tu sais. J'aime bien ce jeu. D'eau. Ouais. Est-ce qu'on peut couler notre propre bateau? Bah oui. Bah ouais. Non mais, je veux dire, récupérer de l'eau dans des seaux et le rajouter dans le bateau. Je sais pas. C'est chiant mais ouais.
Combien de seaux d'eau faut-il pour couler un galion? Ah putain, beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des gens qui tu tapes ça sur YouTube, je suis sûr que t'as la réponse. C'est clair. Ah, c'est bon. Ok. Quelle horreur, pourquoi vous vous faites du mal comme ça? Pourquoi vous mettez des... Je sais pas, des voix anglaises dans une image et tout, c'est n'importe quoi. Des voix anglaises dans quoi? Bah dans la carotte. Ah non, il faut pas faire ça. Oh, ça, mettez les voix françaises à la rigueur, tu vois. Je suis Végéta. On commence, on la lance cette. Quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce qui est... De quoi tu parles? Lancer ouais. Quoi? Comment on la lance là, l'étape 4? L'étape 4? Ouais. Les étoiles derrière. Est-ce qu'on est sur la bonne île déjà? Peut-être pas, je ne sais pas. Faut voir. C'est faible discussion. J'ai lu toute la soluce cet après-midi, mais j'ai rien retenu donc. Ah bah ça va alors. Ah nickel. Ah nickel. Stud est généralement au North Star Sport, il faut aller. Mmh. Il faut aller au North Star Sport. Au port de l'étoile du Nord. D'accord, il y a un truc qui s'appelle comme ça. Ouais. C'est génial. Ah, c'est quoi ce bateau géant? Tout le monde sur le pont. Bon, ça a saoulé, je suis passé à la vitesse supérieure. Il arrête de pleuvoir, ouais. Ok, nord-ouest, plein nord-ouest. C'est parti.
T'as pris ça au cas où il y a Connect qui arrive? Ouais. Mais bon, il viendra pas. Il viendra pas? Non. Voilà, Dan. Ah, ici, la voie de l'eau est très bonne. On va remonter juste un peu. Bon, elle me souvient, c'est un cacao. C'est bon là? Ouais, tu vois. Là. Merci pour le follow. C'est plaisir. Ah oui, il y a un navire en mode belliqueux sur la map. Ça veut dire quoi en mode belliqueux? Ça veut dire qu'il te défonce la bouche. Ça veut dire qu'ils ont un coffre ou ça veut dire qu'ils veulent juste de la baston? Ça veut dire qu'ils veulent de la baston. C'est des connards. Il a un gros cul. Oui. Oui, totalement, oui. C'est exact. C'est un fait. C'est exact. C'est un... C'était quoi? Non, je crois que c'était une voile à distance, mais pas du tout. Absolument pas. À partir de là, moi j'ai pas fait les gars, je connais. On a vu qu'il faut les faire 5 fois chacune pour avoir ah ouais le offert, ouais. Allez, c'est parti. Fini, on va pas se coucher. Bah non, je crois pas, non. On a pas 20 ans devant nous. C'est clair. Ça va être plus à l'ouest, non? C'est bon. Plus à l'ouest, ouais. Ouais. Ouest-ouest ou nord-ouest? Nord-ouest, ouais. Nord-ouest. Là, t'es pas trop mal, ouais. Et on a le vent dans la gueule! Ouais. Comme d'habitude. Ils sont beaux, ces canons, j'aime bien. C'est perroquet. C'est quand même l'alliance. Non, c'est pas perroquet, c'est... C'est Allo, Tami. Non, ça c'est perroquet. Non. 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 Je me suis trompé, mais...
Oui, tu t'es trompé alors, parce que c'est pas perroquet du tout. Perroquet, ils ont les plumes bleues et vertes. Je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que j'ai comme arme d'ailleurs? Ah ouais, j'ai le sniper. Je vais remettre le trombeau. Et t'as mis quoi en encre? Le cabestan, c'est. J'ai que ça de toute façon, j'ai que celui de. De Halo? Ouais, de Spartan. Voilà. Donc si tu regardes ton encre, elle est or et vert. Oui, oui, comme ça, on va passer à autre chose. Merci. Ah non, je sais pas. Ah, attention, il y a des tonneaux. Où ça? Droit devant. Oh putain, le trombeau, c'est pas pratique. Là-bas? Bah, je sais pas, il y a des oiseaux là-haut. Ah non, ça c'est une. Ah ouais. Ça aurait pu être une épave, mais. Il y a un truc qui brille, mais c'est sur moi. Oui, j'essaie de. Ouais, mais c'est sur moi. Une... Non! Oh, c'est un crâne. Damn. Oh, saute! Saute! Ah non, c'est fini. Non, t'en vas les couilles. Pas de distraction, pas de distraction! Ah oui, c'est vrai, il faut pas de distraction, sinon on va passer 4 heures. Je vois 3 mains à 12 heures. C'est les casse-couilles, non? C'est l'heure d'aller manger. Non, ils sont un peu plus bas par rapport à nous. Eux, ils sont en 13, mais on est en 12 là. Donc, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est le bateau pirate. C'est bon, tout droit et c'est bon. Ils sont accostés à Wanderer's Isle. Pour l'instant. Wanderer's Refuge. Est-ce que les rochers vont nous emmerder droit devant? C'est cette île ou pas du tout? Non, c'est pas non, ça. Non, non, pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est derrière. Ouais, il faut tourner un petit peu. Voilà, c'est bon là. J'ai quand même vraiment l'impression de faire un raid. Pourquoi? Je sais pas, c'est la durée. Bah, le truc c'est qu'on a pas commencé encore. Ouais, je sais ce que. Ouais, c'est comme ça. Ça va à 21h comme un raid, il y a 23h comme un raid. Non, c'est pas ça, il y a raid. Tu veux passer au milieu? Ouais, tu vois, ouais, non, c'était un. Ouais, c'est un galion ou un brigantin qui a. C'est un galion. À deux. Ouais. Non, je pense qu'ils vont. Ils suivent leur route. Ouais, ouais, ça va. Ça passe. J'ai à gauche du rocher ou à droite? Ah, y a encore des. Comme tu le sens. Là, on est dans l'axe. L'île, elle est pile en face, l'île? Ouais, elle est dans l'axe. Hein. Ah. No. Ah. Qu'est-ce que on a percuté. Quoi? Bah, percuté quoi? Des tas de tonneaux, et dans les tas de tonneaux, il y avait. Ça, j'ai eu tellement peur. Allez réparer parce que. Ça t'es mort? Oui. Oh putain. Bah, j'étais à l'avant donc. Ouais, putain. Oh là, il y a 4 trous, ça va être compliqué. Et on n'a pas assez de bois? Si, mais on a peut-être pas assez de temps. Parce que la première cale, elle est déjà pleine. Oh putain.
Ah oui, quand même. Ouais, ah, ça va vite. C'est bon, c'est tout calfeutré. Il y avait de l'eau presque sur le tissu. Ouais. J'ai arrêté le bateau parce qu'il y avait un rocher, je pouvais pas manœuvrer et plonger. Ouais. C'est bon. Il manque des trucs là. Ah putain, il faut du bois pour passer. C'est cassé quoi. On peut même péter le. Ah putain. Ah oui, on peut casser aussi le. Oh putain, heureusement que j'ai bien rempli. Hein. On peut casser le gouvernail aussi. Hein. Le mât en face, il y a une craquelure. Là. Ouais, tu peux, il faut le réparer aussi. Putain, mais fais pas mal, toi. J'ai réparé le premier étage aussi. Les 4. C'est la petite île qui est en face là ? Je crois, ouais. C'est là où il y a les petits oiseaux. On va voir ralentir un petit peu là. Hein. Méchamment. Non, c'est pas la petite là. C'est pas ça? Ça c'est Stephen's Quest, c'est juste derrière. Normalement. Il me semble. Non, non, c'est lui. Non, hein. Non, c'est là. Ouais, non, c'est là. Il est à mort. Non, mais pas déjà. Ah bah, je sais pas, prévenez à mort, tu dis. Pour moi, freiner à mort, c'est freiner à mort. Putain, la galère. C'est pour remonter. C'est un galère. Ouais, mais c'est une galère à remonter. Bah, à la rigueur, faut être deux pour lancer la quête. Ouais. Fuck! Ouais, j'étais en train de tourner. Bah ouais, le bateau était en train de tourner. Pourtant j'avais bien... Ouais, c'est bon, t'es bon. Moi, un tout petit peu de voile. Ouais. Un tout petit peu. Ouais. Ça peut aider Ludo le grappin là ou... Ouais bien sûr. D'accord. Je tourne avec le grappin. Ouais vas-y ancre. Ah oui, c'est lui. Captain Briggsy was the smartest pirate on the seas, and Suds was the only one she trusted to beat the stars. I
only one to have a spyglass as special as hers. And a great warrior should be in a pulse with the serpents, I see. So now you're seeking the stones, trying to part the fog and following the captain's footsteps. Take these papers, suds made. Better find that special spyglass too, eh? Captain hid it when she left Suds behind, and now it can't see the stars. Use it to take a peek at Suds' friends. If you're worthy of the captain's treasure, they'll show you where to sail. Be sure to bring them papers back to me, though. They're not for keepsies. My dear queen, all that chromospheric volatility. So unbecoming. Are you still here? No correlation with Lanny here. Ok. Ça a l'air trop cool, cette quête. Il y avait un truc, il faut regarder les étoiles ou je sais pas quoi. Après. Ça va être énorme. Là, il faut qu'on aille vers le sol. Putain, il fait bien noir là. Comment ça se fait? Bah parce qu'on a besoin de voir les étoiles. Bah. La carte, tous à la carte. On va à... Bah, tout ce qu'il faut. On va ici, juste à côté. Tout ce qu'il y a comme dessin, faut des chiens. On n'est pas rendu. On va aller à Rumrunner. Toi t'es mort mais moi il me restait genre 2 PV en fait. C'est là. Vrai? Ouais. Ouf. Zouche. J'étais bien devant aussi, hein. Je sais pas pourquoi je suis pas mort. Parce que moi j'étais là, ici, et ça explosait juste ici. Ouais. J'étais là. Hein. Yaboum, je suis mort. J'étais là moi. C'est quoi la direction du coup? Ramzi, c'est juste là, l'île qui est juste là. Ah ouais. Alors, notre but sera de trouver une lanterne. Ah, je crois que c'était la longue vue. Attends! C'est après? Il faut trouver une lanterne et sous laquelle il faut creuser pour trouver une longue vue. D'accord. Tu vas trop vite en besogne. C'est ce qu'il a dit, hein. Ma Captain Briggs et l'antenne est là. Près d'une lanterne suspendue et seule, elle me manque. Navigue avec moi. J'ai secoué la tête. Les Shores of Gold ne brilleront jamais comme mes amis du Firmament. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Une seule, donc ça va. Ouais, c'est ça, vu la taille de l'île, ça va pas être très compliqué. encre. Donc faut creuser près de la lanterne. Une deuxième lanterne. Ah merde, c'est deux lanternes. On est fou. Je pense que la quête. Je pense que c'est plutôt celle-là parce que regarde, il y a un truc. L'étoile du Nord, tout ça, blabla, non? Tu veux, hein.
Ah non, j'en sors ça. Je pense. Ça, c'est peut-être. Creuser, bande de salopes. Cliquez, bande de salopes. Après, c'est vrai que cette lanterne-là est plus. Ouais, bon, allez. Allez. Waouh. Il y a des trucs là-dedans. Ah, j'ai entendu le cochon. Reviens. Vas-y, t'as okay. Ah, pardon. Pas du tout. Pas habité. Oh, oh, il est passé de le mec. Allez, salut, levez les ancres, c'est bon. C'est bon. Attention, je vais saborder le bateau à distance, ok. J'ai une télécommande pour ça. J'ai une télécommande. Tu vois, Subifo, il faut te mettre de dos, en fait, quand t'as un coffre, comme ça... Je récupère toi et pas le coffre, tu vois. Ouah, comme elle est trop propre cette lampe, je vais la même à la maison. Voilà, vue paradisiaque. Elle a du glow et tout. Oh. Ah ouais, putain, elle est enchanted. Elle a. Comment c'est déjà l'enchant Mangouste. Mais non. C'est le seul que je connais. Le gars connaît un seul enchant. C'est même pas enchanté depuis 1920. C'est, et même, je sais c'est même pas l'enchant que tu utilises toi en plus en tant que caster. Ouais, je sais pas, c'est toi qui arrête pas d'arrêter de me demander depuis 15 ans, tu sais. C'est bon, je suis enchanteur depuis 3 ans, ou je sais pas, j'en sais rien. Ah ouais, avec les bleus là. Ah oui, attends, c'est quoi déjà? Putain. Ah ouais, on voit les. Ouais, on voit les constellations, c'est stylé, frère. Ah ouais, ça va, tu vois. Vas-y, envoie. Trop du swag, bah vas-y, envoie dans ton inventaire, tu sais. Ah ouais, c'est trop stylé. Ah mais on l'a tous. Ouais, parce que c'est multiplication des pains. Putain, mais c'est trop bien. Incroyable. Viens, on rend pas la quête et on garde ça. Ouais, je suis d'accord. Viens, on va se coucher tout de suite. On fait pas la quête, j'ai entendu que ça, après j'ai arrêté. Waouh, mais c'est hyper classe quand tu fais clic droit en plus. Clic droit, non, clic droit, ça fait. Ouais, sur les étoiles, quand tu fais, tu regardes une étoile, tu fais clic droit dessus. Ça fait. Oh. Moi, ça fait rien du tout. Le cochon, ah, c'est trop classe. Une tutor. Oh, un monsieur avec les bâtons croisés. Oh. Mais si, c'est trop bien. Tu fais clic gauche pour viser. Et dès que tu trouves un groupe d'étoiles, tu fais clic droit. Ah, c'est la flèche. Putain, mais c'est super chaud. Attends, j'arrive pas à comprendre la suite de la quête. Alors, la suite de la quête? Même en lisant la solution, j'arrive pas à comprendre. Alors, l'ours qui dort. L'ours qui dort. Alors, l'ours. L'ours, c'est sud-sud-ouest. Oh putain. Mais je comprends pas, tu sais. Mais attends, sud-sud-ouest. Après, juste semblé, mais il y en a plein des trucs. Comment on fait pour. Mais non, il faut aller sur Plunder Valley et après direction le serpent. Quel rapport avec Plunder Valley t'sais. Quoi? Bah, c'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit ici. T'es où, Daddy? Là, regarde. Et un requin. Ça, c'est la fin du bouquin, non? Ah, c'est ça? Ah, je sais pas. Moi, ça... avec du un coup... oiseau de pierre Plunder Valley. Voilà, et après on suit, on serpent, regarde, on cherche. Poisson, serpent, requin. Voilà. Serpent et requin, donc on cherche la constellation du serpent et on suit la constellation du serpent. Une fois qu'on arrive à une île, après on suit la constellation du requin, non? C'est pour ça qu'on a la longue vue, je suppose. Scarabée. Non, je sais pas, ça me paraît. C'est pas ce que dit la solution. Ah, c'est pas ça qu'elle dit? Elle dit bah, quoi la solution? Bah, je sais pas, je n'arrive pas à la comprendre. J'en lis trois en même temps et il y en a les trois, je les comprends pas. T'es. Vraiment un teubé congénital. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, dis-nous. Ça dit.
La clé, cette partie de la fable, est l'utilisation de la longue vue et de la compréhension des constellations. Vous l'aurez compris, la longue vue vous permet de visualiser les constellations dans le ciel. Ouais, voilà. De jour comme de nuit. Les deux histoires proposées vont vous guider vers les constellations pour trouver les joyaux. La clé de la compréhension, ce sont les directions indiquées par les constellations. Mais c'est je ne comprends pas. Eh ben, les deux histoires, t'as deux histoires, regarde. T'as celle-là. Quelles deux histoires? Attends, ben, regarde, t'as celle-là. Oui. Ça, c'est une histoire. D'accord. Et après, ça celle-là, ça c'est une deuxième histoire. Ok, très bien, ça marche. Je suppose. Alors, de Plunder Valley, c'est ça? C'est ça, parce qu'il y avait de Plunder Valley là qui était... Ouais, de Plunder Valley, dans l'eau au bout de l'île, au bout de la queue. Plunder Valley, c'est là, donc c'était quoi, serpent, requin? Serpent et après requin, ouais. Alors, ouest, ah, ça fait tac, nord... Ouest et après requin sud. Ok, ça fait là. Quoi? C'est en programmé. Comment tu sais que. Je vois sur la Solus, mais. Ah, d'accord, ok. En fait, sur la Solus, j'ai tel animal correspond à telle direction, mais ça m'aide pas en fait à. Attends, je sais pas. Si on va voir serpent charmeur en voûte étrange issu du requin cyclope espion du kraken affronte le scarabée. Je reviens. Je crois que j'ai compris. Ah, mais c'est bon. En allant aux toilettes. Allez, c'est bon, on va au sud à mort. Au sud à mort ? Ouais. Je crois que Serpent, ça nous mène à Sailor Knot. Et dès qu'on arrive à l'île, Requin, t'as dit plein sud, c'est celle qui est au sud de ça, en fait, non ? Et ça donne quelle île ? Et ça donne l'île que t'as entourée, Discovery Ridge. Parfait. C'est parti. Il y a du vent dans les vagues, dans les voiles, vas-y. C'est dommage, on va au sud. C'est quelle direction là? Nord. Ah, nord. Ah, c'est con. Après, on va à Plunder. Et l'autre vérifie. Quand tu peux aller à la carte lui. Oui. Et vérifier donc là j'ai mis quoi? J'ai mis Thief's Haven. Essaye de vérifier si ta traduction est bonne sur celle-là aussi. L'île du charmeur, ça serait le Snake Isle. Ok. Et après poisson écarlate. Alors poisson, c'est est nord-est. Est nord-est. Ouais. Et l'autre c'est quoi? Visage de pierre dans un tunnel sous les vagues. Sur une île jamais cartographiée. Et l'autre symbole c'est quoi? Y a pas d'autre symbole. D'accord. Si on est sur un symbole poisson.
T'as dit est, nord-est ou... J'ai dit est, nord-est. Donc est, nord-est par rapport à la ligne du serpent là. Bah si c'est juste est, c'est peut-être Croc Solo. Mais de toute façon, ça a l'air d'être un peu compliqué parce que là, ça a l'air d'être une île qui n'est pas dans le... Peut-être en N14, je sais pas. Ouais, c'est pas faux. Mais je pense qu'il faut utiliser la... La longue vue pour vérifier... Ah! Ouais, c'est pas faux. Potion carte a mené les anciens vers de nouvelles pierres. Il m'emmènera aussi. Chercher sur l'île du charmeur serait un bon début. L'île du charmeur. Le truc c'est que... Tu vois quand tu lis la description du serpent, il y a marqué serpent charmeur en voûte, étrangle, issu d'une tête d'hydre. Donc si c'est le charmeur, ce serait le Snake Eyes, je suppose. Snake Island. De toute façon je vois pas d'autres Snake. Corriger mon cap. Pardon, oui. Sud-ouest. Sud-ouest? Bah, Discovery Ridge, oui, c'est sud-ouest. Ok, ça marche. On va passer à côté de Plunder. Ah, il y a un coffre. Fuck! Il y a un coffre. Arrête! Ouais, je l'ai raté, je suis trop deg. C'est quoi? Oh, du requin. C'est tout? C'est nul. Casse-toi! C'est lui qui est là à gauche. Hein. Blender, c'est ça? Ouais, c'est ça. Blender. Du coup, si on regarde normalement dans les étoiles. Merde, c'est pas la bonne. Faut regarder à tribord. Normalement, il devrait y avoir serpent. Serpent, c'était quoi déjà? Serpent. Nord-nord-ouest. Ouest-nord-ouest. Ouest-nord-ouest. Ça devrait être là-bas, serpent. Là. Sloop à 5 heures.
bien, je vois aigle en... Là, je vois poule. Le serpent il est là. Ah, ça se fait ? Ouais. Le serpent, oui, il est là, ouais. Il est juste au-dessus de nous, là où je regarde. Ouest-nord-ouest. Ah, voilà. D'accord. Donc, serpent, c'est par là. Tout droit. Là, c'était bien, c'est exactement ça. Donc, si je regarde par là, qu'est-ce qu'on monte sur la main? La discovery. Pourquoi on avance plus au fait là? Bah, puisqu'on cherchait le truc. D'accord, je... d'accord, pardon. Parce dès, que, ouais. Dès qu'on a un câble, je remets de, du gaz. Ah, mais. C'est... Moi, j'ai la réponse sur le truc. Ah, d'accord. C'est discovery. Ouais. D'accord, on est juste à côté là. Ça, c'est sous l'eau à l'ouest de l'île. Proche à du rivage. Bah c'est tout droit alors. D'accord. Dans une épave ? Il y a une épave là-bas. On est à l'ouest de l'île là, non ? Ouais. Vas-y, ancre. À l'ouest de l'île. Il y a des champs. Par rapport à la map. Bah ouais, l'ouest de l'île c'est entre les... sur les petits îlots de merde. Il va y avoir quelque chose sur le lit qui dit quelque chose. YOLO. Dans l'eau au bout de la queue de l'île. Donc c'est là-bas là. Donc je pense que c'est tout au fond, ouais. Je vais voir. Au bout de la queue de l'île, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. C'est quoi qu'on doit trouver? Un rubis. Rouge, ouais. Dans l'eau. Oui, dans l'eau. Ok. Ah, y'a un squelette rare. Enfin, rare, je sais pas, mais il a un. Ah, y'a un truc là. Ouais, je crois que c'est bon, je crois que je le vois.
est refait, lui. Ah, ça, ouais. C'est ça. I got it. Joyeux de l'étoile. Bien, wesh. T'as trouvé un crâne, hein, Steve? Bah non, c'est le squelette qui est mort. Mais... Ah d'accord. Y'a un autre truc qui brille là-bas. Ah, y'a un coffre. Fuck. Y'a un coffre? Ouais, enfin, c'est un... Je sais pas, c'est un truc de tissu ou de thé, là, tu sais. Des boîtes comme ça, toi. Oui, le joueur. Trouver ce complet dans le capitaine. Je veux pas accélérer, c'est chiant. Je vais essayer de te repêcher. Mais... Ouais. Non, je suis pas fait. Ouais, il est trop. Difficile pour moi de viser quand tu fais sur le côté. Quand je fais quoi? Quand tu vas sur le côté que quand t'avances vers moi. Ah mais j'ai pas bougé en fait. Ah bah moi je t'ai vu aller sur le côté. Bah, je me suis juste retourné. Je suis trop lent? Ouais. Oh bah super. C'était quoi alors? Je suppose que c'est celle-là en fait qu'il faut qu'on aille chercher, non? De quoi? C'est cette histoire-là, pas... Non? Bah non. C'est ça après. En fait... C'est ça? Bah... Le truc c'est que tu vois ici là, regarde. Ah c'est la fin deux... du truc. Il y a deux rubis, tu vois. Ouais, c'est la fin du truc. Je pense qu'il faut qu'on trouve le deuxième rubis et tu vois, ici il y en a un et c'est là où on l'a trouvé sur cette histoire là. C'est ça, c'est ça là. Voilà, et ça c'est le premier rubis qu'on a qu'il faudrait trouver. Ouais. C'est ça. Mais ça parle de quoi? Apparemment, ça serait un. Je suppose que la plus ancienne créature des mers, ça doit être le Kraken. Donc un poulpe. Donc il faut suivre un poulpe, je suppose. Et qu'il faut depuis Plunder. Kraken c'est Nord. Alors attends. On revient sur Plunder. Kraken c'est Nord. Ouais. Donc ça serait Wonder Refuge. Et après. Ancienne créature des mers dissimule une pierre qu'elle seule peut voir dans le ventre de l'île du sud. On regarde dans le trou du ciel. Parce que normalement c'est censé vraiment être cette île là quoi. Je l'ai mis où t'sais. C'est Thief Haven normalement. Comment est-ce que... Y'a que celle-là de choses. S'il y a que celle-là c'est bon mais... Non mais enfin... Je veux dire y'a pas plusieurs choix tu sais de... Si si bien si y'a... Ah plusieurs... oui voilà d'accord. Avoir déjà tu vois la patiente et tout là, c'est le nom de l'histoire. Ben, l'Axolus me dit d'aller sur Thief 7. Ah d'accord. Mais non, faut essayer de comprendre pourquoi. Mais la plus ancienne créature des mers dissimule une pierre qu'elle seule peut voir. Ah, c'est la tortue, pardon.
tortue patiente. Crée des îles plus vieilles. Des îles plus vieilles créatures. Tortue, ça doit être tortue, sud. C'est nord-nord-ouest. Ouais, non, bah, c'est pas du tout ça. Bah, peut-être, je me trompe, hein. Peut-être, c'est de la merde, hein, franchement. Plunder, c'est là. Nord, est-ce qu'on doit partir de Plunder aussi? C'est sûr qu'on doit partir de Plunder? Bah, je sais pas, moi. Ouais, c'est pas patient. Je pense avoir l'avant-poste de Plunder. Ah, l'avant... Oui, l'avant-poste, pardon, excuse-moi. Là, ici. Ouais, mais c'est quand même sud-sud-est, quoi. Ouais. C'est quoi sud-sud-est sur ta... Sud... Sud-est, c'est la feuille. La ou feuille. Alors le scarabée, ou alors le crabe. Protège ses plages... Déjà, on peut aller vers l'avant-poste de Plunder, déjà pour aller. Ouais, ouais. Sud-ouest, sud-est. C'est good ? Ouais. Je vais aller. Ancienne créature de merde d'ici une pierre qu'elle est seule de voir. Que ça peut marcher avec la tortue. Si la tortue, si la tortue a mis le joyau dans sa carapace, il n'y a que elle qui peut l'avoir. Quand elle rentre la tête dedans. C'est un peu tiré par les cheveux, mais... J'arrive pas à comprendre. Il y avait une chaloupe. C'est vrai? Ah merde. Kraken? Pas Kraken, c'est Mégalodon. Roar et la... Mégalodon, ouais. Ah, c'est le même qu'on a affronté. Tiens.
le gars il veut. Il va harponner le mec. Provocation. Mais trop. Allez. Yo. Il est derrière. Ah ouais? Je crois qu'on a semé. Ah, il se barre, ouais. Ouais. C'est nous qui nous barrons. Moi aussi. Ouais, enfin, je suis en meilleur dans la gueule aussi quand même. Ouais, il s'est pris un boulet de canon après, il a vu qu'un harpon qui est passé juste à côté, il a fait oula, eux ils sont vénères. Ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds, ouais. J'ai à peine d'apparaître déjà, je me fais réceptionner. Voilà. J'ai pas envie de finir en sushi. Hein. Je peux venir ici pour souffrir, ok. Ok. Faut que tu ailles un petit peu plus vers le. Ah, vers quoi? Vers l'est. Anna! T'es quoi? Pas sérieux? Quoi? Devine, c'est la direction de quoi? Du vent! Exactement! Ah. Fuck me! Faut toujours suivre le vent. Ah ouais, putain, mais là on le suit tellement. Genre on est même abonné niveau 3. Je me mets bien en face du vent, d'accord, pour que ce soit parfait. Là, l'alignement est parfait. Là c'est bon, là, non, c'est bon là. Est-ce qu'on est bien aérodynamique même? Oula, j'ai entendu des bruits de canon. Je pense qu'il y a un bateau à côté de l'île avec. Ouais, si, je pense qu'il y a un galion. L'île qui a 11h ou 10h, je sais pas. C'est quoi? J'ai pas écouté. L'île à 10h. C'est ce qu'elle a, l'île à 10h. Derrière, il y a un galion. Il est posté en train de combattre, je suppose. Il se fait enculer. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est parce que ça doit être un fort, ça, non? Je pense, ouais. C'est le fort des damnés, je crois. Ah non, il doit être au-delà, celui-là, non. C'est Lost Gold Fort. Voilà. On va vers Thieves Heaven. Encore hein? On se tape un autre... Ah oui, on va vers Thieves Heaven. Ah! Oh, ah, il est juste à côté. Ça, c'est encore lui. Mais vas-y, mais rentre chez toi, t'en as pas eu assez. C'est le même? Ouais. Détonneur. Un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu es? C'est bon, il est abandonné. Et je m'en bats les couilles, frère. Non, non, il est juste là. Ah, ah non, il est là. Oh putain! J'ai vu la mort! Il a croqué quelque chose ou pas? Holy crap! Non, il a pas touché le bateau. PD là. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais! Donc on va à Thieves Heaven. Ouais. C'est ça. Ok, ouais, c'est bon, je vois bien. C'est bon. Ouais. On a toujours pas compris pourquoi on fait aller là-bas alors du coup. Non, je comprends pas. À moins que Tortue veuille dire sud-ouest, je comprends pas. Sud-ouest. Sud-est, pardon, sud-est. Tortue, c'est nord-nord-ouest. Qu'il soit trompé, attends, regardez sur l'autre. Tort.
Ouais, c'est bien T7, c'est sûr. J'ai trouvé depuis le machin. En fait. Alors, la plus ancienne créature des mers, ouais, c'est la tortue patiente. Dissimule une pierre qu'elle seule peut voir, la seule constellation visible. Dans le ventre de l'île du Sud, T7. Ouais, ça c'est au milieu de l'île. Regarde. Je... Ouais, mais non, c'est dans le ventre de l'île du Sud par rapport à Plunder. Tu... Encore ? Non, je sais pas ce que c'est cette île. Si, ouais, encore. Oh, ça oh. Va. C'est un bateau, putain. Les connards. Au canon. Oh merde. Tellement pas de boulet. Ça compte une 70. Pas été touché. Incroyable. Merci. J'ai arrêté. Ah, ils nous ont merde. Ils nous ont tiré le truc, non? Faut remonter. Ouais. Ouais. Il y a de l'eau qui ouais. Vite. Il y a de l'eau en bas. Ah non, c'est existé. Mais je comprends pas pourquoi j'ai deux sorcières pour moi. Oh mais t'es sérieux? C'est quoi cette eau là? C'est quoi cette eau? C'était quoi ce pays t'es? Qu'est-ce que c'est? C'est sur cette île qu'on doit aller en plus. Ah ouais, c'est celle qui est à droite ouais. Pour ralentir, pour ralentir. Okay. J'ai trop de voiles, je peux pas tourner. Ouais, je vais gaucher, je vais gaucher. Tourne à droite, à bas. À bas. Là, il est prêt, là. Requin. Collision. Tiens, avec Boutacha. Boutacha. L'enculé. Ah oh. Allez. J'ai très mal. Ah. Allez par là. Comment il est pas beau. On a des... Ils sont cassés à droite à gauche, mais pas là en bas. Putain, mais encore là le bâton, mais c'est sérieux. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... La cure. Tous les balles, tous les boules qu'on a déjà passés. Je vais faire un ça. Et tirer en bas. Oh mort. Ah, il y a du crâne. Ouais. Mais c'est cool, fils de pute. Ah. Je crois qu'on prend l'eau. Non, mais je...
vide. Putain, il continue à tirer. Ah, mais y'a plus de canon maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, Ah putain. Cool. C'est bon, je le suis. Je vais aller chercher la pierre. Vas-y. Et il ne pourra pas nous tirer dessus tant qu'il roule. Se fait remorquer. Tu peux lui tirer dessus toi aussi avec l'autre? Ou pas encore? Non, c'est trop. Rapproche petit à petit. Maintenant tu peux lui tirer dessus, non? Non, je pense pas. Je pense que je pourrais pas du tout. Ouais, qu'il tourne à gauche. Ah ouais. Oh oh. Non, c'est bon. Ah, ça a lâché. Ah ouais. Ouais, tu tires trop. Ouais, mais... Sur la coque juste devant là. Ouais, je peux pas faire plus. Là. Ah d'accord. Je peux m'accrocher comme ça. Et tu fais clic droit après pour tirer. Mais t'es mal le trou qu'il y a, c'est n'importe quoi. Normalement, on a plus de canon là. Ils sont bien gentils, ou alors. Pourquoi ils meurent jamais, ouais. Ouais, c'est clair. Où est la pierre? T'en sors, tu Non. Je sais pas rattraper le truc. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ok. On est en train de couler là, non? Ah putain, c'est, il faut les allumer en plus, c'est chiant ça. Quoi? Faut les allumer, tu vois, c'est des spectres. Hein. Faut les allumer? Ouais, faut les éclairer à la lanterne. Oh là là. Je
Je me suis fait quink, like a jack. Canon, plus rien, c'est super. Et on peut pas les tuer, c'est débile. C'est faut les aborder et les tuer, tu sais, peut-être. Pas monter sur leur bateau. Bah ouais, si, mais compliqué. On se fait tuer direct. Ah ouais, putain. Faut les allumer pour les pour qu'ils soient vulnérables. Les éclairer à la lanterne. Retourne sur l'île, sûr. Je vais les aborder. Mais... Ouais. On retourne sur l'île. Allez, elle est où l'île? Oula. Ah bah je l'ai trouvé, putain j'en ai chié hein. Alors c'était où? Mais c'est incompréhensible ce truc, t'sais. Ouais. Je peux avoir tous les outils du monde pour retrouver, c'est trop trop vague, t'sais. Comment je vais vous retrouver maintenant? Tu vas au bord du... Moi, je suis dans la sirène au pire. Ouais. Ah non. Ah non non. Ah non, ah non. Non mais de toute façon on est en train d'arriver sur l'île. On retourne sur l'île, ouais. Tu vois un gros bateau en flamme On n'est pas en flamme. On est juste à côté de lui. Ah ouais, il est encore en fire là. Putain, mais... Ouais, je viens de lui remettre du feu là. C'est du feu qui lui fait rien, tu sais. C'est genre les trous dans la coque, ça lui fait rien. Je sais pas. Il est un bateau run flat. Il peut rouler dégonflé. Ouais, je veux bien, mais. Oh, on va se faire percuter. Ah zouche. Putain, ils sont chiants, ils mettent des boulettes de lest là, trop casse-couilles, tu sais. En plus, il faut réparer les cabestes. Arrêtez de nous tirer dessus, on a plus de boulets, bande de connards. Ouais, je vois, je suis toujours dans la nage. Ah, mais avec tous les boulets, on lui a mis 67 boulets, c'est pas ouais, possible. Ouais, c'est ridicule. Il y a un truc que je pige pas. Il y a un truc qu'on doit mal faire en fait. Bah, de toute façon, le jeu il a ses propres règles et il va te faire enculer pour nous les expliquer, t'es. Bon, j'arrive à pouvoir mettre les voiles. Ouf, contact, contact. Encore, mais putain, ils saoulent, tu sais. Ils utilisent que des boulets de lest. Oui, ils ont encore rebaissé le cabestan. D'accès. Ah ah.
un shader. Hein. Quoi ? Vous êtes vachement loin en fait. Faut que tu m'aides à réparer. Faut que tu m'aides à réparer. C'est trop tard. Ah, non, c'est trop tard. Bateau a coulé ? Ouais. Ah ouais, il y avait un... le caillou, je sais pas comment ça... Non, c'est foutu, la quête est finie ? Ouais, non, on peut le récupérer. Mais... Allez ! Ah non, putain. Mais pourquoi je tombe dans le bateau ? Putain, c'est mal fait ! Je peux pas nager ! Je suis pas dans l'eau, je suis dans le bateau, c'est n'importe quoi ça. Ouais, coucou Dadlink, t'as un requin juste derrière toi. J'ai un PV, ah, j'ai plus de balles. Ah, c'est bon, je vois les deux petits coffres. Là, il y a le crâne, mais sans son cogne. Je vois le coffre. C'est dans le coffre le... Ouais, c'est dans le coffre que je l'avais mis. La récupère là. Bah ouais. Mais bon, je sais pas ce que je vais faire. Je me fais croquer. Il y a le deuxième caillou là. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai lâché pour casser la gueule au requin qui nous croque. Ok. King Croc. C'est. Ouais, on t'amuse. Du coup, est-ce que j'essaye de venir vous chercher ou... Bah, ouais. Je sais pas si c'est pas pour les objets en fait. Je comprends pas comment. Si vous arrivez à les garder, vous les avez les deux là ? Ouais. Je les ai à côté de moi. Si vous restez en vie, je vais aller vous chercher parce que j'ai respawné pas très loin. Let's avec go, un nouveau bateau. Ah, je les couac le. Mais essayez de retourner sur l'île, mettez-vous à l'abri, je sais pas. Bah, moi je suis mort. Ah, t'es mort ? T'as les deux objets quand même, Sub ? Il reste que Sub. Bah, j'en ai un dans ma main et l'autre qui est à côté de moi, mais je peux prendre les deux. Ah, si, ou alors faut que je retrouve le coffre. Ah, attends. Quel enfer ! Tombe pas dans le loin, enculé de toi. C'est bon, on lâche les voiles. C'est... Ouais, faut aller vers l'ouest. Ah, il est là. C'est tellement chaud à repérer. Si le jeu pouvait mettre un peu plus de vagues aussi, ça m'aiderait parce que là, franchement, c'est trop facile. Ah, ce qui est. Ah. En direction de la de l'île. Ouais.
Ouais. La méthode la plus facile, c'est de foncer sur leur bateau et décoper l'eau de notre bateau pour le mettre sur leur bateau. Attaque suicide. Ça, c'est de la technique. C'est n'importe quoi. Ah, survie ? Je vais pas. Ouais, ouais, ça va. Je suis presque arrivé. Je cherche juste une plage où aller me mettre. Je vois un morceau de sable et il y avait plein de squelettes. Non, pas aller là en fait. Donc là, je vais aller sur. Il y a une carcasse de bateau qui est écrasée sur le rocher de l'île. C'est lui qui est devant, Dan ? Oui, oui. D'accord. Ah, je vous vois. Ça tombe bien, on arrive. Ça tombe bien, j'ai déjà au bon endroit, c'est cool. T'es quel côté dessus hein. Je suis pile en face de vous là. Pile en face ? Ouais. On a pas en France. T'es où, je te vois pas. Sur le bateau. D'accord. Oui. On peut revenir en arrière, j'ai vu les trucs dans l'eau, à nous, si vous voulez. Ouais. Mais bon, on a les deux. Celui-là est tout neuf. Ouais, il y avait un crâne, après bon. Un truc de munitions et un truc de bois. Le truc de bois, c'est un peu de valeur. Du coup, il faut aller. Ouais, il est déjà 10h, focus. On a les deux. Ouais. Ok, la dernière page du livre te dit d'aller en N13 en fait. Vas-y, vérifie si ça te paraît logique. Bah, c'est ce que je. Ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. N13, c'est possible ? Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Vas-y, donne-moi un cap. Ah ah. Oh putain, c'est là où il y a les connards. C'est vrai ? Ouais. Il faut aller nord. Oh putain. Ouais. Du coup, le rubis était où sur cette île, t'as dit ? En plein milieu ? Plage entre un feu et une épave, j'ai creusé des milliards de trous pour le trouver. D'accord. Parce que c'est le serpent et tu m'as dit poisson, c'était nord. Poisson, c'est est, nord-est. Il y a le bateau qui. Putain, ça fait chier. On peut essayer de le contourner, hein. Il est juste à côté en fait. Bah, dites-moi. Il doit être à N12 ou un truc comme ça. Il y a N14, ouais. Ouais. Bah, je pense que si
si on peut passer peut-être sur on peut faire le tour. Alors on passe à côté de Paradise. Dis-moi là si je tourne, quel cap je prends là. Prends plein nord. Ouais. S'il continue tout droit, ça sera très bien. Ah ouais, il a l'air de se barrer, ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est bien. Et il va y avoir Stephen Spoil à éviter. Et c'est bon, ils sont déjà en haut 14. Ils tournent. Ils vont en P15. Ils vont peut-être à Ancient Spire. Ok, c'est là non? Ça c'est Stephen Spoil. Non, c'est pas Paradise. Toujours au nord? Non, on est super loin, ouais. Super loin? D'accord. Ouais. Il y a 1, 2, 3 cases, 4 cases même. Ah oui, d'accord. Ah oui, je crois qu'on était. Ah oui, on était là. Il y a une choupe qui va nous croiser si elle continue. Elle est à deux heures. Ouais. Il reste que 3 étapes de quête, on va peut-être y arriver. Ah, il y a une autre choupe aussi. 9h. Ah ouais. Mais ouais, elle est arrêtée. Elle est rangée, ouais, elle est arrêtée. Pour l'instant, ok. Il y a une autre sloop à okay. 3h. Elle est arrêtée au. Ah ouais. Sur l'île. Putain, c'est sloop land là, tu sais. Ouais, j'avoue. Il y a une autre sloop aussi encore à 2h15. Oh, c'est quoi toutes ces sloops? Oh, cette brume. Non, c'est la même, ça. Non, il y en a une autre. Ralentir, non. On est presque arrivé, là, non? Oui. Non, on est pas tout arrivé. Ah bon? Toujours pas. On est encore à 2 cases. Il y a une chloupe à 2h, une chloupe à 3h, une chloupe à 5h. Putain, c'est sur un... le côté... Ouais. C'est un rituel, à la force. Ah, normalement, on devrait voir le bout du. De... C'est quoi du coup? Le bout de l'île. Ah, c'est peut-être celle-là là-bas, non? C'est les pics là que j'en passe, hein? Non, je. Ah, peut-être. J'ai plus l'impression que c'est les petites îles juste à côté là. Ouais, petites merdes avant, quoi. Les petites merdes, ouais, je sais pas. Quand tu regardes le bouquin. Regarde, quand tu regardes le bouquin, c'est des petites merdes. Qu'est-ce que t'en penses?
d'îles moisies, non? Celles qui sont juste là? Bah, il y a une chance. Regarde le truc qui est en face aussi, ça pourrait être. Hein. Mais c'est grand, c'est haut. Alors que là. Non, mais c'est celle-là, c'est bon, c'est top, c'est celle-là, c'est celle-là. Je suis en train d'en monter, ouais. C'est les petites îles là, la con là. Vas-y, tourne, ouais. T'as une demi-voile arrière. Les gars, il est une demi-molle, toi. Demi-molle arrière. Ouais, c'est pas faux. Alors attends. Du coup, ça serait dans l'eau. Qu'est-ce que ouais, je comprends pas le. Sûr. Plonger. Attention, il y a du sable. Non, il y a du sable. Vas-y, tu peux les réparer. C'est bon. Merde. Alors... J'ai pas vidé mon sou. Pourquoi l'eau est rouge comme ça? C'est les salines. Ouais. T'es dans l'eau, Dad? Non, on est tous les trois là. Ah, d'accord. On va se propulser. Bah non, on peut pas... On peut pas se propulser avec des objets dans le... Ah oui, c'est vrai. Tiens, prends-en un. Ouais. Je vais prendre l'autre. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, ce banc de sable de merde? Un bateau cassé. C'est sur l'île ou c'est juste à côté de l'île? Ils disent au centre de l'île, ils disent. Ah, dans l'eau au centre de l'île. Parce que l'île a un centre. Non, c'est pas là, t'sais. Bon, j'ai par là pour. Du coup, t'as pas une image? Non. Faut trouver l'entrée d'une grotte. Ah, c'est là, l'entrée. Ici, là, ici, là. Je remonte, tu vois où je suis ou... Ok, là. Ah ouais. Ah ouais, c'est mystérieux. Il y a un vieux dedans. C'est hyper mystérieux. T'es hyper ouais, mystérieux. Pas... Ouais, c'est pas faux. Tu mets dans les films les gens qui plongent sans savoir ce qu'il y a au bout. Ouais, c'est clair, des fous. Là, c'est un peu pareil ce qu'on vient de faire. Ouais, mais on sait ce qu'il y a au bout. Tu vois. Ouais, mais toi, tu peux repop. Ça a un avantage sur ceux qui sont dans les films. Là, la statue. Ils mettront, c'est ok. T'es sûr que c'est de ce côté? Les yeux dans les étoiles. Ah! Des pages ajoutées à la fable. Okay. Ouais, on l'a eu, capitaine. Putain, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'as récupéré? Une statuette? Ouais, il y avait un parchemin à côté et une statuette dans la bouche. Alors, attends. C'est un peu ça. Alors, lâchez jusqu'à la caverne. Un compartiment secret s'ouvrira et un totem et des notes apparaîtront. De la même façon que la première fable, vous allez obtenir un totem qui doit vous guider vers une entrée secrète sur une pièce, sur une île précise. Mm-hmm. C'est un totem de quoi que tu as? De cancer. De crabe. Ils n'ont répertorié en N13. C'est là où on est. Est-ce qu'on aurait de la chance? Pour rappel, la quatrième version, y a pas un truc là que tu peux pas le placer? Y a pas un mur caché encore là?
Chercher l'île du charmeur serait un bon début. Poisson éclat a mené les anciens vers de nouvelles terres. Non, et partagé, ouais. 13, c'est pas bon. Ici, là, je peux placer le totem. Bah vas-y, place le totem. Visage de voilà. Pierre dans t'as un eu trop de moules, c'est au même endroit, c'est incroyable. Ouais, tellement. Le mystère entier, la vieille sage parla à ceux qui écoutaient. Le dernier de son espèce. Oh putain. Attends. Touche à rien. Celui de faire le l'énigme finale. Dans la chambre secrète, bon ok, ce n'est pas... Alors... Ouais, analyse les dernières pages. Le paragraphe, la clé de l'énigme réside dans ces pages. La vieille sage parla à ceux qui écoutaient. Le dernier de son espèce les guiderait. Celui de fer leur enseignerait tout. Et la patiente leur offrirait une île où dormir. La vieille... Alors, un navire... Ah non, mais c'est juste le premier paragraphe. Attends. Parce que la vieille premier sage paragraphe... Parla... Premier paragraphe, 4 phrases, 4 symboles. Ouais, donc, okay, est-ce donc est-ce la vieille sage. Alors la vieille sage. La vieille sage, il faut que je retourne sur les premières pages du truc. Grand guerrier, tortue, serpent, charmeur, kraken, requin, reine des mers, poisson, aigle. Ours vieille sage, donc c'est ours le premier. T'es sûr? Ouais, ours vieille sage. Ours qui dort, vieille sage respectée de tous. Je suppose que c'est ça. Je sais pas trop. Ici, regarde. Ouais. Vieille ours, sage. Vieille sage. Le premier, c'est vieille sage. Donc... Je suppose que c'est ça. La deuxième ligne, c'est quoi? Le dernier de son espèce, les deux raies. Le dernier de dernier... son espèce. C'est le kraken, non? Dernier de son espèce. Ah non, c'est le poisson éclate. A guidé les anciens derniers de son espèce. J'ai pas l'impression qu'on ait du temps pour essayer. On peut essayer. Vas-y, on t'en. Ah si, putain, y'a du temps. Fuck. Ok, donc tu fais ours. Ouais. Tu fais poisson éclate. Ok, ours. Poisson. C'est quoi? Celui de fer leur enseignerait tout. Poisson. Celui de fer leur enseignerait tout. Celui de fer leur enseignerait tout. Scarabée de faire scarabée en deuxième, en troisième pardon. Et c'est quoi la dernière phrase s'il te plaît? Et la patiente leur offrirait une île où dormir. Tortue. Ok, c'est bon, appuie. Ok, deuxième énigme, c'est quoi? Un navire couvert de résine les mena à terre. Bah bateau je suppose, hein. Oui. Ok, après, le vieil aigri. Le vieil aigri les accueillit au printemps. Ah, c'est cochon. Sanglier, vieux sanglier. Ok. 3. Le dévoué à la reine protéger les ses plages. Cancer, crabe. Ok, et dernier. Mais le charmeur. Serpent. Non serpent, ouais. Ok, appuie. Voilà, tranquille. Oh, EZ. Ah, c'est ah, trop cool. Ah, génie. Vas-y, prends, tu as mérité de prendre la récompense. Finalement. C'est vrai. Ah, merci, capitaine. Tu pourras te la foutre au cul. Allez, voir Sud. Allons voir Sud. Allons voir Sud. Ah, mais si tu m'étais là! Dans le couloir de la mort!
Comment est le bateau, monsieur? Oui, il va bien. Est-ce que le bateau vogue toujours? Bah, intérêt. Est-ce que le bateau n'est pas au fond de l'eau? Il a même un téléporteur. Il peut avoir fait tout le jeu, il peut pas prendre, lui. Ouais. Monsieur Sub. Alors... On tourne tout là-bas. C'est déjà assez là. Non, ouais, c'est... Non, ouais, c'est... Yeah. Merci. Regardez, monsieur Sub. Attends, je remonte le capitaine. Mais je suis là, bonjour. Je voyais, je voyais. Je vois pas ton truc. Ouais, vas-y, mets-le dans le coffre. Ouais. Allons voir Sud. Ouais. Sub, allons voir Sud. Ouais. J'attendais pas du tout. Allez. Ouais, je vois pas les... On voit pas les sirènes des autres, c'est chiant. Les sirènes. Les sirènes des autres. Je voyais pas vos sirènes, du coup. Tu sais, les autres, c'est les méchants dans Lost. Spider. Oh putain, il y a prescription. Iris, elle meurt. Non. Qui? Krillin, il meurt dans Dragon Ball. Je connais pas. Mais non, il meurt pas. C'est son binôme. C'est sa némésis, la mort. C'était tellement drôle, ça. Oh, on a un bon vent de merde, hein. Toujours, comme d'habitude, hein. Mm. C'est fou, quand même. Ouais, fou, c'est mon voisin chinois. Ouais, mais à chaque fois, on se fait toujours avoir. C'est n'importe quoi. Pas leur faire confiance, ça. C'est mieux. J'aime mieux ça, Eos. Non, bah non. Pourquoi tu tournes? Parce qu'il faudrait qu'on aille plus à gauche. Du coup, peut-être que c'est... Je ne sais pas. À gauche. Ouais. Oui, parce que là, on va en direction de Shipwreck Bay, c'est pas du tout ça. Nord-ouest, c'est pas ça? Vu qu'on a fait un espèce de S, non. Du coup, c'est plus ça. Où est-ce qu'on doit aller déjà? Ah oui, North Star. Ouais. Ouais, là, on est pas trop mal. Comment c'est? Ouais, tu vois. Ouais, il faut tourner de ce côté-là. Ouais. T'as raison. C'est un bon second. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu penses de la déco? Est-ce que les couleurs des lampes sont correctes? Très arcade. Arcade? Ah ouais, rouge et noir. Ah non, mais je parlais pas du bateau, je parlais des lumières. J'ai une nouvelle lumière. Allez. Wow. Comment elle est trop propre? R. Voilà, tu peux la récupérer si tu veux. Ouais, mais ta lanterne elle est méga propre. Ouais, t'as vu ça? C'est l'œil du Kraken. Incroyable. Il ne demandera pas comment il l'a récupéré. J'ai clic droit et... Non. Ah merde, je me suis trompé. Point. R. C'était pas R, c'était F. Attends, je vais vous ramener l'œil de Sauron. Le palantir. L'œil de Sauron. Yeah, yeah. Alors, comment on est? On va passer Shipwreck, je sais pas quoi. Ouais, ça va, ça va. Ouais, c'est bon, mais... Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
le joueur qui est venu avec nous hier, il avait un perroquet et un singe. Ouais. Il était trop classe le perroquet. Trop, il fait du headbanging quand tu lui fais de la musique et tout. Tu les as comment le perroquet? Ah bah, il les a achetés. Payé combien? Enfin, je sais pas. Je crois que c'est 5 euros, non? C'est pas donné en tout cas, je crois. Si tu, je crois que si tu prends un truc à 6 euros et un truc à 1 euro, tu peux en acheter deux. Hein? Pas mal. Je crois que c'est 300 et tu es à 6 euros, c'est 500 pièces. Il me semble que c'est un truc en genre. Mais le perroquet il m'a fait envie, hein. Putain, il est vraiment classe. Je sais pas s'il n'y a pas de pug, sinon on sait très bien ce que t'aurais acheté. Oui, bah oui, forcément. Mais un pug sur un bateau, à mon avis. Pourquoi pas le pug qui vomit et tout. Puis en plus, il frotterait son cul sur tout le. Sur le bateau. Mais tu sais, lui, il se dit qu'il enlève un peu l'eau qu'il y a, toi. Je sais. Est-ce que ça passe avec le. Ouais, faut que tu tournes plus à gauche, là, maintenant faut qu'on prenne plein ouest. Ah putain, il y a un galion. Ouais. C'est les connards là ou c'est les. Non, c'est les. C'est les morts. Ouais, c'est les morts. Un peu plus à droite. C'est aussi des connards, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est une autre forme de connard. Ah c'est bah... la petite île là, je sais pas si tu la vois. Il faut qu'on ralentisse tout de suite. On va se cracher. Oui, j'ai craché. Qu'est-ce qu'il est mon bateau? Ouf. Ah, j'ai arrêté. Oh, mais ça passait. Tu connais le freinage d'urgence? Ouais, mais pas loin. Alors, ça piratise. Ah. Mais trop, ça piratise. Ça privatise. Non, ça... Vous êtes... Faut mais... remonter. Vous êtes patrouillé ouais. De la kite. Wow. Putain, on a réussi, ouais. Ils nous ont mis la misère. Hein, hein oh, l'a- putain, l'aléatoire, il nous a mis la misère. Hein, oh, enculé. Là. Oh, on va se rapprocher un peu. Tranquille. Petite voile arrière, tu vois. Pierre du Shotbreaker. Ah, mais le Shotbreaker était pas entier en fait quand on l'a ramené. C'est incroyable. Mmh. Coup de théâtre. Tout à fait. Ah Squadala. Tu vois, il est. Même. Forever young. Il y a des gros seins. Oui, mais là. Elle... Il y a des patchs sur les seins. J'ai tic tic. Ah, des cochons! Oh, il manque un mètre, dommage! Ah, non, ça, c'est pas mal, tu peux faire ça. Ah, d'accord.
crée. My spyglass. Il est totalement concentré. Allez. Fin de l'histoire. C'était pas une sinécure. Putain. Tum-tum. On a vu tellement de la fois la mort et tout. C'est clair. Tellement perdu, on s'est accroché à la vie et tout. Les énigmes étaient cool. Promotion obtenue. Principal, même c'est que tu sois amusé, c'est le principal. Ouais. Mais trop. Bon, par contre, on a toujours pas compris pourquoi c'était le sud. On a débloqué le tatouage cosmique. Le tatouage cosmique vers un nouvel âge. Voilà. Et le prochain, ce sera. De réminiscence. Vers un nouvel ordre. Merde. Plouf. Mais il est charmante, Ludo, comme ça. Il est charmante. Il est charmante. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu. C'est... Ah, quand même, hein. Taille basse. Il a un croc top et un taille basse, quand même, hein. C'est mignon, hein. Le hag. Il me regarde. Il te mate. Où il en tombe amoureux. Je danse trop bien. Ah ouais, ah putain, il s'ambiance et tout quoi. Une 3 un peu. C'est ambiance, hein. C'est bon. Ah, une petite boum qui se fait là. Le petit banjo qui va bien et tout. Il joue à quoi quand t'as... C'est quoi ton instrument? Tu tournes la nouvelle et tu... C'est un instrument des pirates. Non, tiens, on va se bouger la gueule depuis longtemps. Ouais. La fille tout vert. Eh ben... Ça va bien. Cul sec. Ah bah ça c'est sûr, il est bien sec. C'est un peu plus. Putain, avec juste une chope, t'es KO, tu sais. Ouais, il doit être bien ouais, bien chargé hein, quand même. Je sais pas ce que c'est ce grog, mais... D'ailleurs, c'est quoi un grog? C'est pas de la bière, si? Non, non. Non. C'est quoi, c'est du rhum? Ça doit être du rhum, je pense. Ah ouais. Le grog, c'est du rhum? Oui. Le grog, c'est du rhum? Grog au rhum. C'est pas comme ça qu'on fait la fête chez les Texans? Chez les Texans. Raouli. Raoul. Et si on s'entretue? Ah, il m'a germé. Sub. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Pire, hein. Bibi. Con, hein. J'arrive. J'arrive pas.
Je vais réussir à tomber dans l'eau, tu sais. Ah, j'ai bégère deux fois. Allez, remonte. Oui. Il pense même pas. J'arrive pas à avancer. Là. Zouche. Non, j'ai raté. Oh. Ah. Ah, c'est trop drôle. Personne qui. Bon, bon, ouais, il faut choisir. Hein, faut choisir. Hein. Non, on est pas bien après. Hein. Hein oh. Bonus. Ah, je savais pas qu'on jouait mal. Eh oui. Ouais, j'avais du requin. J'avais du requin. C'est faux, toujours avoir du requin sur soi. Tiens, ouais. Voilà, du requin. 6, ouais. Un quart. 6 ou quart. 6 ou quart. Ah bon. Tiens, le lanterne, c'est Green Lantern, quoi. Allez. Non, il y a une lanterne. Mami. Ah non. Crank. On a perdu la blue lanterne. Il fallait faire F. Oh, you bloody idiot. Il l'a dit en plus, Dad. Quoi? Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, t'as la blue lanterne, c'est pas R, c'est F. Je sais pas. Oui. Oui. Te trompe pas. Tout au fond, en haut. J'appuie sur F là. Attends. Vas-y. Utiliser la flamme. Est-ce que il faut que je lève ou qu'il faut que je lève pas? Oui, tu lèves et tu fais utiliser. Non. Ah si, c'est bon. Oui. Les hags. Il a une boule. Ouais. Quentin, il a une. Le Ludo, il a une boule. J'écoute un stream et les gars dans le stream ils disent oh la lumière elle est bien faite alors qu'on est là avec nos lumières. On dirait un dieu très ancien là comme ça. Ah il faudrait aller voir Enzot. Non pas du tout. Regarde, il y a un sou près dans le tir dessus. Regarde, le hag, il attaque les hostilités. Puis il a le truc de la horde. Oh, allez, je déco. Alright, yeah yeah. Yeah yeah yeah. Chaud, bonne nuit. Chaud, bonne nuit. Boulos. Boulos. Ah.
Allez. Ah, je peux faire une request song. Allez. Ah, oh, le mec, vas-y. Ça chagrait. Du couac, j'entends le couac. Ouais, c'est vrai.
Bon, allez, on va passer en off.